Ok, on est parti. Iron Trials contre Sindri. Alors, il faisait de la merde pendant l'échauffement. Il essaye de me faire croire qu'il y allait sérieusement parce qu'il croyait que c'était le match. Ouf, je sais pas quoi croire. Je ne sais pas quoi croire. Putain, vache. C'est soit il a vraiment tellement rouillé que c'est redevenu un débutant, soit il se fout clairement de ma gueule. On va bien voir. Ok, c'est moi l'host, hein. Du coup, il va, comme d'habitude, vouloir casser les couilles pour pas hoster quand ce sera son tour. À tous les coups. En même temps, je suis pas pressé que ce soit lui l'host parce que, vu la gueule de son délai, ça va pas être drôle. On est trop loin, ça. Bah, mon perso qui s'est pas retourné dans la bonne direction. Je suis reparti sur l'armure d'artificier, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il est à la charge, donc j'aurais peut-être dû passer Feel No Pain. Voilà. Ces mouvements sont tellement erratiques. Us! J'ai attendu. J'ai fait preuve de patience. Soit il mettait la charge et je pendais et je priais pour que ça passe, soit il tapait au corps à corps et c'était le kick. Je pensais pas le tuer avec le kick, cela dit. Je pensais qu'il lui resterait juste un tout petit peu de PV. Ah, c'est mauvais ça. Ok. Non mais. Il a encore de la vie, vache. Ah, je le disais aussi. Un peu dégoûté d'avoir raté ma première tête qui était gratuite, quoi. Mais bon, en même temps, comme d'habitude, un tir gratuit, forcément, on le rate. Hein. C'est une réunion, on est pareil là-dessus. Le kick, c'est quand tu veux, par contre. Hein. Non, vraiment, ok, très bien. J'étais permastuns. Allez. Le kick a juste refusé de sortir Mordicus. Hein. Je sais pas pourquoi il met autant de coups d'épée alors que le gars est à furieuse charge, il est meilleur à la charge qu'à l'épée, mais je sais pas. Ah, raté! Bon, en tout cas, je peux pas me plaindre de mes ninja kicks qui, eux, pour l'instant, connectent plutôt bien. Bon, il y en a un ou deux qui ont raté, mais globalement, on est sur un gros pourcentage de hits là sur les ninja kicks, ce qui est assez étonnant. Surtout avec sa connexion de merde. Mais le kick qui fait rien encore, mais oh, c'est quoi ça? Ok, bon. Au grand mot, les grands remèdes. Pouvoir avoir d'angle pour la grenade. Nul.
écoute, l'équipe connecte deux fois sur trois à peu près, ce qui est en soi pas trop mal. Après, la plupart du temps, il connecte avec du retard parce qu'il lag comme un porc. Mais bon. Oh là là. Mais oh là là. Je méritais ma mort là, hein. Vraiment rater un tir pareil. Après, heureusement qu'il joue pas DFA parce que pour l'instant c'est le seul truc qui met vraiment bien. Genre vraiment propre quoi. Oh! Je rate tout fond Il bouge tellement bizarrement, je rate tout quoi. J'overlead tout. C'est une grenade. Us! La grenade, je savais pas si si elle allait arriver vraiment pile sur moi ou genre un peu derrière ou quoi, tu vois. Donc c'était chaud. Ah, un peu court, dommage. Us! C'est tellement satisfaisant le Furious Stomp. Comment je reste ça? Burst Fire en plus, à cette distance, ouais. Peut-être pas beaucoup de chance de toucher la double tête à cette distance, hein. C'est pas des grenades, je m'en fous. Ça, c'était pas du Burst Fire, ça par contre. Qui va partir chercher l'autre balcon. J'ai l'impression. Non. Nope. J'ai pas eu la localisation de ce truc. Ah, ok. Oui. Pas, je l'arrange, pas lui. Trop court, je pense. Non, elle était... Ah si, elle est un chouïa courte. Je sais pas ce qu'il fout, hein, par contre. Il sait qu'il peut pas repique quand il a pas régénère armure, quoi. Enfin, il bouge comme un débutant, merde, enfin... C'est quoi ce tir de Melta? Pourquoi il essaye pas de gap close? C'est un putain de dieu du glitch et du charge cancel, pourquoi il essaye pas, genre? Enfin... Oh là là, puis moi je potato ma race. Je potato mes grands morts, c'est assez impressionnant. C'est nul! C'est nul! C'est nul ce qu'il fait! Je sais pas pourquoi il fait ça! Il sait très bien que ça n'a aucune chance de marcher, là il se fout de ma gueule! Quel ultra instinct? Qui a un ultra instinct? Lui? Putain, mon cul, quoi! 2, 3. Ça, c'est l'ultra instinct, connard! C'est pas toi qui faisais des belles esquives, connard. C'est moi qui chiais dans la rose. C'est moi qui chiais dans la colle avec mes tirs, quoi.
Ouais, allez, c'est juste moi qui suis nul en vrai, mais hein, on va. Dommage. Faut pas une tête, ça. Non, mais tu te fous de ma gueule, Sunri, arrête, quoi. Non, mais vraiment. Non, mais sérieusement, bro. Ah, ça, c'est un rôle qui. Oh, j'étais derrière le mur, monsieur. Ah. Bon, le dernier, c'était un petit peu un lucky shot parce que c'était du no-scope total. J'ai vraiment juste eu le réflexe de cirer parce que j'ai vu du rouge qui bougeait. Bon, là, j'ai vraiment pas bougé. Là, j'ai grid ma grande race. Hein. Là, j'ai vraiment hard grid mes grands morts. Hein, qu'on se le dise. Loin, bro. Quoi? C'est quoi cette disparition? Oupsi! Attends patiemment, on va lui balancer une ou deux mères StarCraft à la gueule. Bon, tant pis, il a pas pris le bait. Il s'est barré ce con! C'est quoi ces tirs de mes. Mais gros, t'es à deux bornes! Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Putain, j'ai l'impression de faire une réaction vidéo, quoi. Une live réaction commentaire gameplay, quoi. Il est là, en fait. Comment ça me touche pas, cette blague? Alors je vais méfier parce qu'il a. Voilà, un Melta. Fait vraiment très peu de bruit. Ah, il commence à se réveiller. Il commence à avoir un truc qui ressemble à de l'aim. Je suis surpris que ça m'ait touché ça. J'ai la position avantageuse, je le sais, je vais pas la lâcher, Coco. Allez, deuxième round. Il a dit qu'il allait changer de ses anciens mains pour passer sur ses nouveaux mains, enfin sur le main actuel. On va voir ce que ça donne. Bien vu, je suis pas sûr d'avoir bien vu, c'est un marteau. C'est un marteau. Ça va être compliqué. Heureusement qu'il a raté son coup, hein. Et que j'avais Feel No Pain, parce que je crois que même avec le Glancing sans Feel No Pain, je suis pas sûr de savoir si j'étais en vie.
Je sais pas s'il a le Killing Blow. Nigelun Dayo! Il a le Killing Blow, il a 100% le Killing Blow. Bon, le marteau, ça va pas être possible. Attends, non seulement il a le Killing Blow, mais je crois qu'il a même pas impénétrable. C'était ballsy ce que je viens de faire. Je me suis rendu compte au moment où le deuxième coup de marteau est parti. Il est encore en marteau? The fuck? J'ai pas pensé à regarder quand il m'a tué tout à l'heure, mais je crois qu'il a pas impénétrable. Ou alors je mets beaucoup de têtes, mais c'est du lucky shot à ce moment-là. Mais je chatte tellement. Là, je chatte uniquement parce que c'est toujours moi l'host, parce qu'il a refusé de le prendre. Hein. Parce que clairement, j'étais 100% dead. Hein. Ouais, il a le réacteur, je pense. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain, elle a mis 2 ans à péter cette nade. Us. En vrai, faudrait que je l'abuse avec le pistolet en vrai, mais oh, on a tous les deux glance, je crois. Ah, raté. Oh, joli. Et il y a le coup de marteau en fin de charge, d'accord, ok. Donc je disais, faudrait que normalement que je l'abuse le pistolet, mais j'ai envie de m'amuser un petit peu à contrer son marteau avec des charges, avec de grosses charges qui tâchent. Sauf si les charges veulent pas connaître. Bon, laisse tomber. On va juste. Juste pistole. En attendant, son build est quand même bien pour me full deny mon putain de main. Bon, en même temps, il y a un marteau, ça suffit quoi. Bon, il m'a bien lu. J'ai tenté la charge, alors je sais qu'il faut juste que je l'abuse au pistole. Lol. Je fais ça en boucle, mais ça va marcher. Voilà. Donc il reste au pistol plasma, il peut pas me duel. Bon bah, j'ai plus de mobilité que lui parce que bah, il a un marteau. Voilà.
Et j'ai plus de dégâts au HP. Lui, il peut me tomber mon armure, hein, y a pas de problème, mais clairement, je m'en branle, quoi. Oh! Ça, c'est un lac qui n'est absolument rien d'autre! Il a pu redécoller tellement vite. Je suis pas assez agressif, je le bait trop. Ah, je vois tout. Non mais la distance avec laquelle il me chope sur son marteau, ah non, laisse tomber, c'est pas jouable, le lagameur est tellement violent quoi. Oh, il y a une TP là. Il y a une grosse TP des familles là. C'est dangereux de se mettre dans un couloir avec un mec qui a un marteau en face, mais... Bon, il est un peu impénétrable, si j'arrive à mettre une tête, il est mort. Ou deux tirs, deux body shots, c'est vrai qu'il a besoin que de deux body shots sur un assaut qui n'a pas un P. Un peu déçu d'avoir raté ça. Ah! Un peu déçu d'avoir raté ça aussi, voilà. Un hit. Ah putain, mais mon perso qui était pas tourné dans la bonne direction. Qu'est-ce que c'est chiant ça! Ça touche pas ça? What? C'est un bolter ça. C'est un bolter sans targeter et sans kraken. C'est un naked bolter. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière?
Non mais le tas. Non, pas de Melta, qu'est-ce qui branle? Enfin là, il y a clairement la charge, mais... Enfin, j'ai Furious tombe, donc la charge, c'est compliqué à placer, hein. Il a quoi, par contre, comme perk? Fais gaffe, Sindri, tu sais que sur ce genre de conneries, je suis bon. Voilà. Tu veux que j'apprenne ton rythme? Je vais apprendre ton rythme, il n'y a aucun problème, hein, et tu le sais. Hein. Voilà. Moi j'ai juste à être patient, si t'as pas de Melta, je vais juste attendre, hein, il n'y a pas de problème. Dire chien dev, tu vas me niquer à la charge. Bon bah écoute, moi je vais te mettre des Furious charges quoi, dès que t'as des Furious tombes, dès que t'as porté. Hein. Y a pas de problème. Alors que tu me montres ce que t'as comme perk dans ton loadout. Hein. Parce que si tu joues juste un Naked Bolter comme ça, tu vas pas, enfin tu vas avoir des problèmes quoi. Même sans l'armure d'artificier, je veux dire, bon, j'ai un Iron Halo, quoi. Donc, c'est pas avec un Naked Bolter que tu vas me tomber. Hein. Faut que tu fasses que tu utilises autre chose. Hein. Ouf, ok. Il y a eu des têtes là qui sont parties. Parce que j'avais encore, je crois, 10% d'A. Non, c'est un naked. Non, là, clairement, il se fout de ma gueule. Là, clairement, il se fout de ma gueule. Ah! C'est pas une tête ça? Je pensais qu'il allait essayer de me charger, c'est pour ça que j'ai kick, mais bon, a priori c'était pas nécessaire. Ok. Ah, voilà, ça c'est de l'assaut. Je sais pas si celle-ci a repris le marteau ou pas.
Il a repris le marteau, ça va être compliqué. Mon perso n'a pas voulu d'âge. J'ai pas le bon pic. Ah! La belle grenade! Ouais. Ça dépend vraiment de ma capacité à dodge le premier shot, hein, le premier strike. J'ai pris mon loadout Furious Stomp et j'utilise pas le Furious Stomp, c'est un peu con. Sont quand même un bon point, hein. Quoi qu'on en dise. Je touche ça, c'était pas dit du tout. Ah, putain. En vrai, c'est ballsy, mais j'ai qu'une vie à prendre. Ah putain, j'ai pas eu de quick charge, j'ai eu qu'un revers, une backhand. Je suis vraiment à chier que ce flingue, putain. Qui a join? J'avais pas vu qu'il y avait une grenade lancée parce que j'étais en train de regarder le truc, mais. The fuck? Quoi? Mais y'a personne qui a join! C'est quoi ce bordel? Allez, j'ai fini no pain, j'ai un kill à prendre, il a deux tirs à subir pour ça. Sur un malentendu, ça passe. Ah, mon tir est pas parti. Bon, c'est une tête. Voilà, j'attendais que ça. C'était le Sword Landing avec la tête en avant.
Wow, Gigi, c'était plus dur sur le deuxième. Le marteau, c'est chiant, quand même. Surtout avec quelqu'un qui lag comme un porc comme ça. Il y a quand même eu 2-3, peut-être même 3-4 gros lag kills au Hammer, là, quand même. Mais bon, c'est plus compliqué déjà.